Influencer. Ils sont là pour amener la génération, la jeunesse à une certaine éducation. Il y a la culture Nabiso à travers la communauté de Salaka. Mais ils ne sont pas là pour détruire la génération. Ça, c'est manquer de respect à un père. Tu vois. Il ne connaît pas. Et ça, c'est pour la Moussa Lanzambe, nous, ou à Banga Nzambe, ou à Tambola, la crainte Nzamba, c'est Lanzamba, Solo Nzamba. Il y a peu de serviteurs de Dieu. Il y a peu de serviteurs. Partout, ou Nzambe, a la confiance dans Bangouana, ou Nzamba, pour être mis à part Wana. Ce sont les gens, ou Nzamba, Ling, la Bangoua, Tambou, quand tu manques d'être, tant qu'on manque, tant qu'on l'a, même au moins Sinaïe, tant qu'on l'a, tant qu'on l'a, le bar à Malam. Tant qu'on l'a, David. Azaki maudit pas moi dis Azaki maudit pourquoi car pas ce qui m'a valu que Zobine n'a jamais on a pourtant Zobine n'a jamais sa femme était maudite à cause de ça donc ce que nous avons dit que moi c'est Moussa Langa la maudit la bête de stérilité car pour à manquer Moussa Langa pour un bon yom tout Moussa libandaté pourquoi Eli voulait s'orgueillir pour dire que le Seigneur n'a tiré qu'un amour Dieu a dit non Eli il y a encore des serviteurs ils n'ont pas fraîchi encore les genoux devant les prophètes à Baal moi je crois qu'il y a une génération montante qui croit le Seigneur qui vont prophétiser pas avec les mains qu'on a qui vont prophétiser Jésus de la Bible qui vont parler ainsi de l'Éternel qui vont prêcher Jésus qui vont faire des miracles avec le nom de Jésus et le vrai Jésus de la croix pas un autre Jésus un vrai Jésus de la croix ils vont travailler pour la gloire de Dieu moi je crois qu'il y a une génération nous devons porter correction avec une génération qui est passée avec des mensonges, mais nous devons emmener une génération qui craint le Seigneur, qui sert l'Éternel, qui prêche le vrai Jésus, qui prêche la croix, qui prêche le chemin du Seigneur, qui prêche la crainte de l'Éternel et qui amène les enfants de Dieu vers le royaume des cieux. Et c'est ça qui est plus important. D'autres générations, c'est comme ça. Ce n'est pas les générations des mains qui ont le nom. Qui a battu Baudin Nusse et Zanon Nengini? Quelle est leur vie? Baudin Nusse Makambouana, Vina Wazanon Nengini. Quels sont leurs témoignages? Parce que Moutoufa Denusse, parce que ton soubi, c'est l'eau comme abbé, c'est qu'il y a ce qu'il est malam. Histoire de PC la carbo. Il y a un mouvement qui a renommé moi à Makassi. Et quand il venait chasser ici, voilà pourquoi nous n'avons pas accompagné. Il y a tout. Mon église est où il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui est là. Voilà ça. Donc c'est le nom que Dieu utilise dans les miracles. Mais il y a un mouvement qui est là. Non, c'est faux. Ce sont des rumeurs de Jomoni. Aza Moutou Oyo Alingi folklore. Les Kassaïens. Ils aiment adorer Dieu par rapport à ma maritime, mon bazalar en anglais. Kobi Nabina, tout. Mais non, ils aimaient louer Dieu avec ce. Je ne sais pas si vous avez inspiration à Yé, on nous embattait parce que tout le temps nous avons bien à Kaye, la vision à Pessa Moutou. Excellentes conditions télévisuelles, mesdames et messieurs, très chers amis, téléspectateurs de partout où vous nous regardez. Nous sommes sur Équilibre Télévision, Jérémy Luemba, les Renards du Désert est en face de vous. Alors, clin d'œil spécial à tous nos abonnés ainsi qu'à tous nos partenaires. Et merci Nabandeko Nyon Sobazutenga, heureux anniversaire. Je suis né aujourd'hui le 28 septembre, donc... Nous remercions le bon Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour sa faveur, sa grâce et sa protection divine. Mais aussi, je vais quand même dire aussi un grand merci à ma pensée, Nabiso. Moi, moi, cadeau, souhait, vidéo et ça, Nabiso, plaisir. Le vieux Gérard Saddam à Manchester. Le vieux Justin Panzou, le grand Mouyombe à Londres. Mimi Ndoumé, femme de luxe depuis. Moshing là-bas en Allemagne, je pense à Sema Mayasi, femme légitime, agence Mayasi, Forza Italia, les célèbres Dienzundu à Washington, restaurant Best of Africa chez Mama Lisa Loboko. Il y a les boss et mémoire Boudimbu, merci beaucoup, Jérémy Yokan aux États-Unis. L'homme de Dieu, merci pour être là, bonjour. Bonjour papa Jérémy, joyeux anniversaire. Ah merci papa, merci. Bonne famille, bonne quand même au Salah Nzambé. Non, ça va, Dieu nous fait grâce. Nous sommes au bâtel, à Banabaza, bien, et puis nous sommes en vie, nous sommes en vie, Dieu nous fait grâce, papa. Alors, vous avez été malade, mais la monichiko, quand même, ça va. On peut démarrer par la prière, papa. Oui, bien sûr, prions le Seigneur. Papa, nous te bénissons. Merci pour ta présence. Nous demandons ta faveur. Nous voulons commencer cette émission avec toi. Comme il est écrit dans ta parole, rien ne peut rester sans toi. Nous les croyons, nous acceptons, Seigneur. Viens nous assister de début à la fin. Bénis tout le monde qui va suivre cette émission. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je rappelle que je reçois pour vous le prophète Henri Millet, un habitué de cette émission. Alors, l'homme de Dieu, climat Mboka, climat l'église de l'autre, tout le monde a
C'est vrai, les conflits existent depuis longtemps. Hein? Oui, bien sûr. Mais la guerre est commise, le pasteur, le païen. Toi, tu le trouves comment? Un homme de Dieu, soit guerre, le païen, le musicien, le influenceur. Déjà, d'abord, ça, avant tout, on a 4. C'est mon amour. Bon, moi, j'aime pas. La vérité, c'est bien. Pourquoi? Parce que ce qui est ça, c'est que les années locaux, et qu'on éduqué, tout ce qu'on réprimandé, tout. C'est l'Église. L'Église doit avoir le droit de réprimander, de remontrer le chemin, de donner encore une directive aux enfants de Dieu et enseigner aussi les païens. Et les païens croiront. Vous savez, on nous appelait les chrétiens pas par les chrétiens. On nous appelait les chrétiens par rapport... C'est les païens qui nous appellent les chrétiens. Ça veut dire, c'est les païens qui nous ont détectés, qui ont compris ce qui est en nous. Donc nous devons comprendre une chose que les païens là, les païens d'hier, c'est les mêmes païens d'aujourd'hui. Donc ils parlent des choses qu'ils ont été voir dans nous, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Cette guerre-là, c'est parce qu'ils conseillent juste que, au bandeau, le Kabam, on n'a pas d'ambition, on n'a pas d'ambition. Voilà pourquoi, moi, foi, moi, encouragement, moi, c'est un soutien, tu vois. Donc voilà pourquoi il y a cette guerre-là. Donc parce que leur besoin, c'est quoi? Il y avait autre chose. Mais aujourd'hui, ils voient autre chose. Parce qu'on nous a appelé les chrétiens par rapport. Ils ont vu le Christ en nous. Ah non, c'est vraiment des chrétiens. Ce sont les païens qui nous ont parlé de ça. Ce n'est pas nous les chrétiens qui nous sommes donné ces noms-là des chrétiens. Non. Maintenant, c'est le débat des combats des païens, c'est de voir les mêmes personnes là. Parce que si je suis en bazar, je vais battre la maison pour que je sois chrétien. Si je suis des fois, quand je suis en bazar, chrétien, je vais battre la maison pour que je sois chrétien. Quand ils ne voient pas ce qu'ils ont besoin de voir à nous, voilà pourquoi, bah, ça un peu découragé de ces combats-là, il y a un hésité, papa Jérémy. Alors, tout le monde dit quand même arrestation, il y a influencé, c'est Benge Maria Tumba. Et d'après plusieurs sources, pasteur Wale, ça s'est décidé de l'amener en justice, parce que a Finga qui est, a critiqué le ministère, il y a l'obé qui est, il y a ça la faux témoignage, qu'on sort. Il y a faux témoignage, écoute une église, il y a qu'on répond dans comment. Et puis, cet acte que l'homme de Dieu a fait, il y a qu'on traduire la fille dans niveau de justice. Est-ce que c'est bien pour la rééduquer? Est-ce que c'est bien pour la corriger? Ou bien il y a d'autres voies et moyens où il y a ça la queue? Nous avons dit bon, on l'a monté. Bon, moi, je crois que la Bible dit toute autorité vient de l'Éternel. Et ça, je crois que la connuquesse Nabisso, l'influenceuse Nabisso, il faut comprendre le mot qu'ils sont là pour amener la génération, la jeunesse à une certaine éducation. Il y a la culture à travers la communauté de Salaka. Mais ils ne sont pas là pour détruire la génération. Ça, c'est manquer de respect à un père, tu vois. Papa n'a pas papa Botibana. Donc, il doit comprendre que l'homme de Dieu doit être respecté. Papa Jérémy, c'est la vérité. Et ça, il y a des gens qui sont là pour détruire à cause de manquer de respect aux hommes de Dieu. La Bible dit ceci. Ne se manque pas. Tout a manqué Moussa la Nzambe, le cola, a vu Moussa Pelis, tiens à l'issue Nzambe, tu vois. Ça veut dire, ils ont manqué Moussa Langaï, a vu Moussa Pelis, tiens à l'issue Langaï. Bon, a compris Fonson Moutos, comme un niveau sans Nzambe, Koukoubé, ça Moussa la Nzambe, niveau bon. Pourquoi m'a répété, pourquoi cette fille a répété que non? Et moi, le coup de moi, je crois que papa a laissé un, il a fait père, attaque d'avoir un père, il a éduqué la fille. C'est pas seulement la fille qu'elle a éduqué, elle a éduqué aussi une génération. Pour dire que non, on ne peut pas se tromper dans Moussa Lanzé. Puis pour montrer que dans notre pays, il a aussi la justice. Justice Pézali, oui. Les choses doivent être claires. On ne doit pas commencer à manquer de grandes personnalités dans Mboka facilement comme ça. Tout. Non, l'impolitesse, c'est le diable, c'est la sorcellerie. Parce qu'un enfant ne peut pas être impolitique à ce niveau. Manquer de grandes personnalités comme papa Wale, ça. Moi, je suis contre cela. Donc, je suis contre cela. Moi, j'aime et j'appuie ce qui arrive avec des mariages. Et ça va lui enseigner, lui faire comprendre que non, la mission d'un TikToker, vous avez raté, il y a qu'on détruit masse, il y a qu'on détruit génération, mais ceci montrer une reconstruction, donner une. Parlez de votre culture, parlez de votre pays, parlez des bonnes choses, parlez de ce qui s'était passé dans le pays, parlez des bonnes choses, parlez des grandes choses, des hommes, des dieux, c'est fini, c'est quelque chose qui est très bien. Au lieu de défendre, oui, combien de millions de bateaux au bazar détruit dans les Kamaloukoutans, en Amarissa, il t'aime. Oh, tiens, le bagage qui est. Bah, elle était sollicitée pour que ça fasse témoignage. Non, c'est, si c'est vrai qu'il doit montrer les épreuves, moi je ne crois pas que. Moi, tu sais, papa Wale Salah, moi je le connais depuis Moujoumaï. Je connais cet homme de Dieu-là, Obi. Il y a des gens qui ont le nom comme échappe dans le monde. Bangando.
bangando babi matele babi na mona bino souboleta mutu mutu okufana mboka ti ne lo mutu okufana mboka na salate histoire vraie rien zela donc na mbujimai tu as vécu là-bas bien sûr ils ayina bangando moko sauvage bandolia babi mais bandolia babi c'est bangando spirituel bandolia batu bandolia bena bado bako kufu fana moko na papa moi qui n'existe pas bangando lia mama moi qui n'a toka mai bangando lia donc bako fina mboka wana mbukombo ne ki mangi dieu me aide 22 ans l'émission je me rappeler. C'était vers quelle année comme ça? Ça date de quelque chose de 17 ans, 17 ans, 18 ans comme ça. Mais où allait ça? Aïe, à gangé la bangando. Aïe, à ben, à ganga bangando, à bima, pena na maïboui. À gangé, à d'abord, à nous, à l'ouenza, 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 moi je prie pas là-bas, je suis pas là-bas. À bête, à l'ouenza, bangando, à bima, boui, papa. Bangando, à bimi, à gangé li bango, et jusqu'aujourd'hui, bangando, ana. L'histoire est un peu si la carbo. Il y a un peu de renommé à Makassi. Et quand il venait chasser ici, voilà pourquoi nous n'avons pas accompagné. Mon église est où il y a des gens qui ont donc c'est un homme que Dieu utilise dans les miracles. Mais il y a un peu de choses. Non, c'est faux. Ce sont des rumeurs de gens. Il y a un peu de choses qui folklore. Les Kassaïens. Ils aiment adorer Dieu par rapport à la maritime. Kobina bina, tout. Mais non, ils aimaient louer Dieu avec ce. Je ne sais pas si vous avez inspiration. Parce que tout le monde a bien accueilli. Ils ont la vision à Pessa Amoutou. Tu vois, il a une vision à Pessa Amoutou. Ou alors, c'est un bougement qui est à Saint-Emoine Amoutou. Ou alors, qui est à Skroke Amoutou. Bon, on a Yoka. Il y a toujours un témoignage à Kabela Rabat Mitouka. À Salabopona. Donc, lui, il donne souvent les gens qui manquent. Mais on a qui ne pas manquer respect trop, non? À créer un témoignage à l'Okuta et tout ça. Donc, tout ça est bien tenu. Pour nous, nos pasteurs, il y a une communauté à Walé Saté. Bien sûr. Mais aux Congolais, tu as vécu dans Mbujimayi. Bien sûr. Au PC témoignage. Donc, tout ça est bien tenu. Tout ça est bien tenu. Elle peut être aussi maudite. Papa, il ne connaît pas. À cause de ça. Donc, ce que nous avons dit, c'est que moi, si je suis maudit, je suis en stérilité, car pour manquer mon sel, pour aller bon, je suis en bandage. Nous avons dit que nous avons dit, nous avons dit que 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 nous avons dit voilà beaucoup de gens qui ont retombé la Bible. Mais d'autres disent qu'il va aller agir. Bon, il faut retirer plainte, alimbi sakara ba petite, choisate, tout ça. Papa, c'est une personne d'abord qui est éducateur. Un de deux, selon les rumeurs, ce n'est pas lui qui est accusé, mais apparemment, les entourages naïe. Moi, tout le monde a dit va manquer respect à mes parents naïe. Comprendre? Je ne tolérerai jamais ça. Parce que ce que je suis, c'est Dieu à travers lui. Vous comprenez, papa Jérémy? Donc, et permettre, c'est pénalité. Ils ont une réputation église, une réputation de Bassana Langote. Moi, j'ai toujours dit que vaut mieux avoir un bon témoignage qu'avoir l'onction. Parce que tu peux avoir l'onction si tu as un mauvais témoignage, ton onction n'est fait rien. Mais quand tu as un bon témoignage, sachez bien que même si tu n'as pas beaucoup d'onction, ton témoignage peut donner un plus dans la vie. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Merci. Voilà pourquoi ces filles-là, ces gens-là de TikTok, ce sont des enfants au banato, body banato lingaka. Mais ils doivent comprendre que leur mission n'est pas de manquer de respect aux grandes personnalités, mais leur mission, c'est éduquer la masse par rapport dans les choses qui sont vraies et réelles et parler des choses qui sont normales. C'est ce qui est plus important. Mais on a besoin d'une illusion. La vie n'est pas un luxe. La vie pas bien. La vie n'est pas un voyage. La vie n'est pas un avion. Ils ont traumatisé ma fille belle parce qu'elle a ma galère, l'homme de Dieu. Oui, c'est effectivement c'est ce que nous sommes en train de parler. Que ça m'a bête, papa Jérémy. On est blanc sous. Bah tu veux que bah ma balle est belle couffée. Bah tu belle, bah la belle va comme il le qui mouille bah comme ça bah qui si à cause d'un souci à banane. On se comprend pas, j'ai à cause d'un bango. Bah ça blanc aux ailes le putain. Je vois que c'est ça que les thèmes sont collés dans la macamboire qui nous dit c'est cuivre, qui parle c'est cuivre. Ou bien moi même film bah tourner un film au point bah qui non bah tourner un peu bah qui balayer sinon à cima écran. Pourquoi? C'est pour montrer à la génération que non autre lecture des films. Mais bien on a créé ça. Mais la vraie vie ce n'est pas ça.
Tu vois? Mais et aussi, ils devaient faire ça. Parce que nous avons après, nous avons besoin de ce que nous avons. Ils ont comédie, ils ont théâtre, ils ont salé, mais ils ont vivre. Tu vois? Donc, ce sont des choses où l'État, sauf que l'année la blanche, mais qui ont été très importants pour permettre aussi génération. Nous, on a des filles qui ont grandi. Moi, mes enfants, ils ont grandi. Donc, on prend. Donc, on a un diplôme, on a une fille, mais. Mais les autres filles, tu vois, qui m'ont à 16 ans, 17, 18 ans, ils font des bêtises que tu n'as pas l'air. Ils vont avoir un téléphone de 16 Pro Max, 14 Pro Max. Déjà, ils font les modèles de s'habiller, de mettre des plats en des autres, de faire des choses, des maquillages impossibles. Bon, là, on a bloqué ça, la bouche. Entre autres, je me suis dit, c'est pour dire aux enfants, quoi. On a peine à dire, mais bon, ça, c'est un bon côté. Moi, on a 17 ans, 18 ans, le canal a bijoux, et écoutez, tout ça, 200-300 000 dollars. Mais avec le petit, le frère qui n'a rien, n'a pas besoin de dire, bon, oui, si maintenant, bien, tu sens trop bunda, ensemble. L'homme là n'a pas cet argent pour acheter des iPhone. Non, c'est ce sont des choses où il faut le temps d'abus. C'est ça qu'à mon abloc, on a l'année là, c'est très important. Moi, j'encourage ce que l'église, papa, les enfants fait, c'est ça, défendre Dieu et défendre les causes, la cause de Dieu. Papa, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as c'est très souffrant et moi bon on fout à garantir l'église c'était un mot boy donc pour aller dans l'église il bande d'amour les mecs qui vont maler les côtes les binos bon souffrir bon ok malon tout le monde a outil musique comme ça t'en utilisé aya pendant l'église c'est pas une chose facile à moi quand on coûtait combien la mise en âme et quand on a parlé des bêtises là il dit combien des âmes on va décourager la foi on va croire n'importe parce que c'est influencé combien va croire n'aille combien va décourager la foi et tu crois qu'un mollet ça ne veut pas parler Dieu du ciel pouvait pas parler la place n'aille. Dieu pouvait parler à sa place parce que et ça va âme comment il croit à son Dieu et quand il parle des bêtises comment il a, comment personne a décroché dans la foi. Voilà donc ça c'est très bien soulevé mais génération na bino bozana crédibilité té na moni prophète Daniel si dimanche passé l'émission a expliqué ningé bo sala maman qui ona abiso ba abiso que maman té qui nous prend 80 000 dollars sur l'église à l'yo télémi maman na zo mon na mbongo mo boy il faut s'aimer sauter mon na ba roibo ngo maman bangi. Il y a un bureau, pas à l'obéir moi 15 000, 20 000 balles. Tu relis tout ici. On a une tactique au dernier sélection de la télévision. Tu connais toutes les informations et puis au lieu d'agir. Et ça, ma méthode, c'est que ça, la toi, il a dévoilé le bureau et moi, ça là. Moi, je crois que si doit être sincère, il faut dire que non. Moi, j'aime ceci. J'aime les enfants de Dieu, des hommes de Dieu qui sont francs et honnêtes. Qui viennent confesser. Qui viennent confesser. Oh, bamba, ça là. Moi, je ne sais pas si je détruis ma caméra. Parce que c'était ça fait mal. Hein. Moi, je connais les hommes de Dieu. Oh, moi, je me connais mon père spirituel. Nous avons utilisé puissamment ma casse. Quand je dis ma casse, il y a ma casse. Aza la Mujimaï? Non. Azaki, tout ça qui nous a dit, nous avons dit, nous avons dit, ok, Kigali. Là-bas, je vous dis qu'il est comme un Dieu. Ça veut dire quoi? Nous avons tombé. Mais là où il était, les gens ne le croyaient pas. Donc, tout ce qui. Je regrette ma grand-mère, je ne tu vois? Ça veut dire, moi, dans ma vie, moi, je vis des miracles. Moi, je vis des miracles de la vie de mon père spirituel. Je vis des miracles dans ma vie propre. Le Seigneur m'attend à parler. Je connais le Dieu que je prêche. Dans mon abattu, je vais veiller à ta prière. Je vais veiller à ta moni. Je vais veiller à ta prière. Je vais veiller à ta prière. Je vais déclarer à ta lobby. Dans mon abattu, ça veut dire, quand quelqu'un parle de choses qui sont sur des éléments qu'on a là, peut-être que je vais dire que c'est un monoconi, je ne sais pas. Et je ne sais pas où ils ont trouvé ça. Ils doivent vivre la vérité de ce qu'ils ont fait dans la vie. T'es Daniel Salomé les binos. Vous avez chipé bambou à bateau. C'est ma tactique. Vous avez répondu à Daniel Sinine. Si je peux répondre à Daniel, il doit dire que non. Et il faut aller au non, il faut confesser ma camo na sala. Il ne doit pas dire que Bazo sala, parce qu'on a banal. Il doit dire, s'il est le nom de Dieu, qu'il est sincère, il est l'enfant de Dieu, il veut réellement avouer bien, à se libérer. Attends à combattre ma sala ma camo, non, tel, ma sala ma camo, comme ça les enfants de Dieu auront l'orientation. Parce que Bazo sala, il ne détruit pas seulement l'église, il ne détruit pas seulement les pasteurs là, et l'autre, il détruit la foi de beaucoup de chrétiens. Bah, l'un des bébés, comme il est là, incrédulité, pourquoi? Bon, les païens profitent les sorciers, les marabouts pour autour de Awa. Obi, ma belle reprend, le clan en amoko, le clan maïosa témoin, qui est battu, les babika miracle, et nzam benanzan abiso. Tu connais très bien, c'est pour dire que le Seigneur Dieu du ciel, t'il le lonzamba kablo célèbre ce miracle. Les gens là, moi, toujours dit que Baza Bajan Satan, oh Satan, il a utilisé pour décourager la foi de plusieurs chrétiens. Comment un homme de Dieu peut prendre le courage d'aller détruire la sacerdoce de l'éternel? Aujourd'hui, beaucoup de gens sont perdus dans la foi. Mais ils ont détruit leur foi. Et ça, vérité, Zolo Bamarabi, selon moi.
Non, il doit dire qu'ils aient l'eau, ça n'est pas tout le monde. Alors, il y a une escroquerie. Ah, bah, il y a une escroquerie. Tu peux dire que c'est une escroquerie. Il y a une escroquerie. Mais il y a une escroquerie. Mais il y a une escroquerie. Il ne doit pas dire que. Il ne doit pas généraliser. Papa Jérémy, dis-toi dans ta vie, est-ce que Dieu peut manquer de vrais serviteurs? Dieu qui a créé le ciel, qui a créé le diable, il peut manquer les vrais serviteurs. Dieu peut avoir toujours des gens faux dans la vie. Moi, je ne crois pas. S'il y a les faux dans la vie, il y a aussi les vrais. Voilà pourquoi Élie voulait s'orgueillir pour dire que le Seigneur, Dieu a dit non, Élie, il y a encore des serviteurs. Ils n'ont pas fraîchi encore les genoux devant les prophètes à Baal. Moi, je crois qu'il y a une génération montante qui croit le Seigneur, qui vont prophétiser, pas avec les mains qu'on a, qui vont prophétiser Jésus de la Bible, qui vont parler ainsi de l'Éternel, qui vont prêcher Jésus, qui vont faire des miracles avec le nom de Jésus et le vrai Jésus de la croix, pas un autre Jésus. Un vrai Jésus de la croix. Ils vont travailler pour la gloire de Dieu. Moi, je crois qu'il y a une génération. Nous devons porter correction avec une génération qui est passée avec des mensonges. Nous devons emmener une génération qui craint le Seigneur, qui sert l'Éternel, qui prêche le vrai Jésus, qui prêche la croix, qui prêche le chemin du Seigneur, qui prêche la crainte de l'Éternel et qui amène les enfants de Dieu vers le royaume des cieux. Et c'est ça qui est plus important. D'autres générations, c'est comme ça. Ce n'est pas une génération des manqués. Non, moi, je ne crois pas. Je prophétise pour cette génération. Ce n'est pas une génération des manqués. Ce sera une génération qui servira l'Éternel. Et je crois au nom de Jésus que les enfants de Dieu qui ont découragé dans la foi, ils seront ramés. Ils verront les miracles. Ils demanderont le Seigneur. Ils reviendront. Ils croiront. Ils accepteront que Jésus-Christ est capable de tout s'offrir. Papa, jamais je vous dis la vérité. Tout le monde peut échouer, mais Jésus ne peut jamais échouer. Amen. Combien de gens. Aujourd'hui, nous avons un peu de pourquoi? C'est pour dire que dans la toutes choses, Jésus-Christ reste le point final de la vie. Aujourd'hui, ils ont compris. Dieu existe et Dieu est réel. Mais si Dieu existe et Dieu est réel, à quoi sert bon et les choses pareilles? Le miracle, c'est Dieu qui le fait. Ça ressemble à prendre un mouton. S'il est guéri, gloire à Dieu. S'il n'est pas guéri, je rends gloire à Dieu. Dieu sait le quoi il veut faire David de cet homme-là. Parce que je le dis, il fait toutes bonnes choses à son temps. Dans le temps qu'il a prévu, je bénirai le ciel, j'adorerai le Seigneur et je témoignerai le Seigneur. Mais c'est que moi je sais, Dieu ne peut jamais échouer, Papa Jérémy. Alors, Dieu ne peut jamais échouer, ça c'est très bien. Beaucoup ont perdu leur foi. Batoubakomi est garé. Parce qu'entre vous aussi, les pasteurs, accusation gratuite, pour te dénoncer. Vous allez rencontrer la dénonciation, Antonini. Pour Roger Bakapé, de nos sagas, de l'essayer, mon ressoussou. A comme si vous êtes un pasteur, J.F. Fong est à Paris, Kuna. Alors, le pasteur Mingi. Donc, entre nous, le pasteur, pour dire, moi, cacophonie, moi, confusion, pésali. Moi, je dirais, oui, vous avez raison. Sur la question de Zaboy, il faut que vous viviez à Batoba au témoignage. Viviez à Batoba au dénoncé, ils en ont n'engini. Quelle est leur vie? Batoba au dénoncé. Batoba au dénoncé, ma camboana. Viviez à Batoba au dénoncé. Quels sont leurs témoignages? Parce que, moutoufa dénoncé, parce que ton soubi, c'est l'eau comme. Ozo boit que l'eau comme abbé, c'est qu'il y a tout ce qui est malame. Est-ce que vous avez l'eau comme abbé? Est-ce que vina yo même les années? Quel est ton comportement? Quelle est ton église? Quel est le message que tu as dans ton église? Quel est ce que tu prêches aux enfants de Dieu? Quels sont les nombres des dettes que tu as? Et Batou, combien yo gagne? On peut se témoigner. Pourquoi ne pas se témoigner? Batou a gagné à tes quatre nankolo. Batou, bon, on l'a metté maintenant. Pourquoi ce sont des mauvais témoignages? Ce sont les agents du diable qui le diable utilise pour détruire la foi des plusieurs hommes de Dieu, des plusieurs enfants de Dieu. Moi, je dis la vérité, pas Jérémie. Dieu est réel, Dieu existe, il est vrai et réel. Le vrai Dieu est réel. Batou, oui. Bikatil est là. Ah, pas Jérémie. Il y a une maman qui m'a appelé dernièrement qu'on a fait l'émission avec toi. Le problème de cette maman-là, avant d'aller à la chaise roulante, t'as tambolaté. A où t'es qui n'a qui chasse à Mobile a bien c'est na poto. Or mobile na poto, pardon, à côté d'une chasse awa. Mobile a bien c'est nani. La maman était ici. Mobile a bien c'est na poto. Or na poto on a tant moi c'est qui. Ceux qui il y avait des combats spirituels n'avaient pas compris. Blomo bongo bongo. Baba qui sont malades y a ma colata mbolate. Mais la maman était innocent. Y a un zamba innocent à sa vraie et réelle. Amen. Dieu maintenant, on a prié pendant 3 jours. Le ciel m'attend parler. Le ciel m'attend parler. Ce n'est pas parce que le nom de Dieu m'avait entendu de dire le nom des gens dans la télé. Dieu m'attend pas. On a prié pendant 3 jours. On a bouton là, la Libanda, tout ça, pendant 3 jours. Dieu lui a relevé. Nous avons battu les missions. Il dit, papa, je regrette parce que je n'avais pas l'argent. Si j'avais l'argent, j'ai soutenu ton ministre. Mais ici, il est en train de s'en. Moi, j'ai gloire à Dieu. Ma part, Dieu existe, Dieu est réel. Il y a des choses que je dis témoignent la gloire de Dieu. Ils voient la main de Dieu. Et tout le monde qui est en train de nous suivre, si Dieu vous touchera de nous appeler, je vous promets que le Seigneur vous décevra jamais. Nous prions pour tout le monde par rapport à l'inspiration de Dieu. Au quoi bien on a répondu au silicaté. Tant que nous avons appelé Seigneur le dans la peau, ne te fais pas, ne te dérange pas. Quand Dieu me disposera pour toi, parce que nous ne voulons pas faire des choses par rapport à nos sentiments.
Nous voulons faire des choses par rapport à ainsi dit l'Éternel. Vous savez, moi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu que fais des choses par rapport à ce que Dieu t'a inspiré, par rapport à ce que Dieu veut de toi. Mais ne fais pas juste par rapport au sentiment. Il y a un pour les pasteurs, pour les prophètes. Non, je fais quand Dieu me dit de faire, dans les moments où Dieu dit de me faire, voilà ce qui est plus important. Donc, il y a des gens que Dieu guérit jusqu'aujourd'hui. Maman a gâché, à voir qui tient sur l'homme, à télémite, au pambol, toi adorer une âme ensemble pour la gloire de Dieu. Dieu existe, papa Jérémie. Jusqu'aujourd'hui, le miracle de Dieu est vrai et réel. La prophétie est vraie et réelle. Maman a béni le téléphone, n'a béni maman, comment on a la caméra, papa, comment on a un délai. Non! Je suis en train de prier ici pendant que tu m'as appelé. Dieu m'a dit ton nom. Il y en a bien combo. Ah, papa, maman, bien combo. Il y a bien combo. Maman, Solange. Donc, c'est comme ça. Donc, Dieu existe et Dieu est vrai et réel. Alors, Dieu est vrai et réel. Un conseil, dans ma jeune garçon, il va tomber dans ma situation compliquée. Toujours le moi. Au retard, dans ma télévision, partout. Il va avoir une faiblesse sexuelle. Hémorroïde, impuissance sexuelle, éjaculation précoce et tout ça. Il va les mignes et puis bah si bah rejeter bango parce que bah comme il faible sexuellement. Est-ce que c'est un combat spirituel et comme il y a quoi que là? Est-ce que bah car on des jours coûtant dans on t'a bien mis pas expliqué les camboana ou bien aux hommes on cas ils ont mukili temps de la fin. Ngalisu libu mweza lakate, otika la lingundu, libu mwunene. Tala ji oya dekresman, soke meliango, libu mpla, neti kutobota te. Ebongo kote ba papa. Boye ba kepona ba kulongondo bwa kundu bwa nzoto bwa yo. Yeba ke bazali na kisi ya force. Heye! Mukolo nzoto. Yangonde kisi ya solo solo. Mukolo nzoto aye. Yangonde zali kosunga nzoto ya ba papa. Pote libale zala elengi pe supu na nivou ya defuate. Ezali ko traite maladi lokola. Impuissance sexuelle. Ejaculation précoce. Hémorroïde. Oza mobimba awa na mukolo nzoto. Ezongi si nzoto na yo. Mobimba na force ya defuate. Okanisi mama Mika suki wana. Ten. Che mama Mika. Azo traité le sousou, stérilité, diabète, nerf sciatique, tension, myome, chauffement matrice, débouchement trompe, na hernie, mais yaba sorte nango nyonso. Po na bandeko oyo, bazali na ba santé, déséquilibré. Onga na bela ka beri beri, mwana na nganzo tezali pe na pete pete alembara pamba pamba, yeba ke awe ezali na ba bouyi, 100% bio. Tonga nzoto na niveau ya nyama, pote nzoto na yo. Eza la pena kolongone ya solo. Soko meli poto poto oyu. Okoza la mubimba. Pe sante. Elengi. Neti kaka na lola. Kote kosmetik ebiso e. Mama Mika. Reparatrice ya lo poso. Po. Nivoza ko traite banzoto ya basi pe mibali. Palado madame, palado messie. Bazali na ba produit lokola. Huile d'anana. Savon anti nduta. Anti tampon. Anti tache. Yangonde mubimba. Bazali pe lisusu. Na crème de beauté. Temetis. Ozongi pembe chéron et puis lisi ya nyama. Gommage, bazali ko salango kitoko joli. Pomade ya suki, plus huile. Pomade vimbovi, pona ba papa. Oyo bazalaka Dimitri kuna na bayendisa. Bango bako bonga kitoko po. Azonga penda mubimba, loko la mubali ya solo. Bazali pe na crème réparatrice, anti-vergeture. Pona basi nyonso, bazali na ba problème na banzoto. Eko sunga bango makasi. Kasi tuna ngai nini, ba kisyo nyonso ezali ko traite batu, ezali sans hydroquinone. Ah, kutu, atayamu, kele kete ya hydroquinone, ezate pe ezala kate. Soki olingo benga, Maison Mika Cosmetic e Business Bio, okoki kozwa bango na veni pozo, numéro A17, quartier Matonge, na komi na kalamu, référence, kabini ya courant. Topo koko benga bango na numéro ya telephone oyo, plus 243, 89, 98, 27, 674. Tala, Bako Sabinote, Maison Mika, Cosmétique et Business Bio. Awa, 100% bio, pe sans hydroquinone, naba produit nabango, nyonso. C'est naturel! Baba, congélé, conso, au sali lecture, ni pour la bisoumi bali, papa. Merci, papa. Je crois que Eza, ka auto yambi, et puis il est l'église de l'Église Congo. Et puis même les bandes en boque, ils ont des gens qui ont des OEP, ils ont des processus, ils ont des gens qui ont des tout ça. Mais moi, je crois que selon la parole de Bible, le Seigneur a déclaré que je veux que vous soyez en bonne santé.
C'est la clé. C'est la clé. La bonne. Donc, souci à Nzambo à la biso, papa Jérémy. Souci de notre Seigneur. D'abord, il veut que nous soyons à bonne santé. D'abord, le plus important à Wana. Parce qu'on peut tout avoir. Mais s'il n'y a pas la santé n'est pas bonne, rien de bon peut se faire dans la vie. Alors, on se dit que tout ce qui contredit la volonté du Seigneur, mais la, tout ce que Dieu a parlé, et donc derrière, c'est un esprit qui empêche cela. Parce que, alors, ce qui est moutou, c'est qu'il y a un esprit qui est caché derrière ça. Mm. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, vous devez comprendre. Quand tu vois des anomalies dans ton corps, quand tu vois quelque chose qui ne va pas dans ton corps, avant de faire quoi que ce soit, aller dans les hôpitaux par-ci, par-là, la première chose que vous devez faire dans la vie, consulter le Seigneur. Amen. À travers la prière, à travers les hommes de Dieu qui tient confiance, consulter le Seigneur, que Dieu vous oriente, vous inspire. Là, c'est un. La deuxième chose, c'est que Mingyaba jeune paix aujourd'hui, un garçon de 30 ans, à l'ingazané la maman 60 ans, garçon de 40 ans, à maman 70 ans, et c'est comme si que le monde est devenu, c'est comment là, je ne sais pas. Ça veut dire, aujourd'hui, moi, je connais une fille qu'on a fait la délivrance, on a fait la délivrance, bah parler bah qui n'est à âge à 12 ans, dans Bujumai pour aller la sorcellerie. Donc bah il est au Yambi, bah on tout quand on est en plein séminaire, on dit que notre ça séminaire pas séminaire, tu es en bas, bah on papa Jérémy et puis on va faire le travail. Et toi aussi séminaire, bah qui n'a pas aussi bah qui n'a pas payé banaté. 10 ans plus tard. Délivrance inachevée. Non, on avait prié pour eux. Avec l'idée que non, tout ça, tu es devant la réception. Et donc, en tout cas, comme on est en plein séminaire, on finit le séminaire. C'est quand ici, ça demande une et c'est un en permanence, tout attend à prier en abaron. Et famille qui est dans la famille qui est dans la famille qui est à l'âge de 12 ans, la fille était. 10 ans plus tard, la fille avait 22 ans. Non, il m'a boyé, papa Jérémy, na mona mwana mwana mwana, na garçon mwana mwana mwana. Surtout moi la moi celle au cacolé ne loco mon côté. Pedro, elle était tellement belle au cacolé loco mon côté. Je me suis dit dans mon cœur, je dis les garçons ici ayebi moi la moi surtout ayebiété. Parce que moi n'ai qu'un colo à ces pelles là. Mais origine à moi la moi sur ayebiété. Ça n'a pas été belle pe balinga basi papa Jérémy. Balinga basirène, balinga bas forme des eaux, balinga basse bando qui sans les savoir. Et bah toi là, Michel Ozani, a tué la semence de l'homme et détruit les corps de d'autant au tiki et quand on au Québec en balamoko. Il y a aussi des femmes balégabi me balamabé. Papa, il y a peut-être encore beaucoup de lois Jéricho. Les habitants de Jéricho ont dit à Elisabeth quoi? La ville est très bonne, comme vous le voyez, mon Seigneur. Ça veut dire, Nako Monaboye, Elisabeth, oui, la ville est très bonne, mais elle a dit quoi? Mais les eaux sont mauvais. So, tomba zongi na origine. Bibi. Les Jéricho étaient détruits par quoi? Les Jéricho étaient détruits par un prophète qui était passé là-bas. Il a dit, tant je sois l'équipe de Jéricho, lui, il a détruit Jéricho, à laquelle Jéricho m'a bé, à maudire Jéricho. Donc Jéricho, et comment il m'a bêté pour passer là-bas, mais comment il m'a bé, pourquoi? Parce que, ils ont mal au moment que l'Oba m'a dit, n'a qu'à Jéricho, voilà pourquoi de l'eau était mauvaise et la terre était stérile. Papa, tout le monde qui voit rien ne marche dans sa vie devait comprendre une chose. Qui a passé dans ta vie? Na le cas la vie na yo, mouta le cas la vie na yo, a tika nini, a sala nini, a kocho wapi, a pesoni, mousso a bebi so ka pope son bon onaye. Mousso a bebi so ka potam sou sou, bo vanda ne sika bo sala kopmo, mousso a bebi so ka bo, bo bi okusha kane bo sala kane ensemble. Ma soeur, mon frère, tu vas te me suivre dans ce lien, au santa ke li kamwe kome la yo a faiblesse sexuelle, be mi bali bayak bazoye, bayaka ba ki makayo, be basi bayaka ba kenda rabati kakayo, vous devez comprendre que derrière tout problème, derrière tout maladie, il y a un esprit qui est caché là derrière. Et vous devez chercher Dieu, et bien les hommes de Dieu, parce qu'il est écrit dans sa parole, confiez-vous à Dieu, vous serez permis, mais à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Ta réussite n'est pas une autre place, ta réussite est entre le maître de Dieu et le maître des hommes de Dieu. Pourquoi tu peux dire les hommes de Dieu? Écoutez-moi, tout le monde n'a pas même la même foi, tout le monde n'a pas la même capacité, tout le monde n'a pas le même don. Chacun a son don au Onza Bachekatamut. Il y a au moins Yesu. Pierre. Les diables étaient cherchés, ils voulaient ta mort, ils voulaient te guider comme les fourmis, mais moi, j'ai prié pour toi. Ça veut dire qu'ils ont dit que Pierre était là, il n'a pas vu les diables. Pierre était là, il n'a pas vu les diables. Mais Jésus a vu les diables. Pourquoi? Ils avaient tous des yeux. Mais Jésus a vu, mais Pierre n'a pas vu. Et les démons n'ont pas suivi Jésus, les démons ont suivi Pierre. Mais Jésus a vu cela. Les diables ont vu ce qu'ils ont dit. Au monde, je m'attends à s'embêler au monde.
A ton génie, yo mon angote. Parce que ce n'est pas le don que Dieu a mis en toi. Et il y a quelqu'un que Dieu a mis près de toi qui peut t'aider dans la prière. Il y a un moment où tu n'as pas la force de prier. Ou tu as un corps pour l'imbi. Bien, mais tu as besoin que les hommes puissent t'aider dans la prière. Je sais que le mois est difficile. L'environnement est détruit. Les gens sont détruits. Il n'y a pas la confiance. Mais je vous dis une chose vraie, que Dieu ne peut pas manquer de servir. Donner confiance à Dieu à travers les hommes que Dieu a mis devant toi. Et à travers les gens que Dieu va te convaincre. Et le Seigneur ne manquera pas de vous aider, de vous soutenir. Voilà, nous sommes vers la fin de notre mission. Si je vais dire aux enfants de Dieu que faire tout ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas mauvais. Mais sachez-le bien que Jésus-Christ est capable de tout sauf rien. Notre numéro est là, plus 243 81 522 7145. Plus 243 81 522 7145. Pourquoi nous vous donnons nos numéros? Et ça, c'est pour et début, nos mamans. Et comme si on s'en a mon côté. Mais ensemble avec les hommes de Dieu, ensemble avec dans la prière, et c'est très simple. Est-ce que mi balé 2007 na combo dans la Yesu? Et ça, c'est un bon. Vous avez eu mon côté. Surtout, ça, c'est un balé 2007 ou yawana. Ton bon délit pendant les Kambouana, ça peut trouver une solution. Tu as des problèmes. Tu as des problèmes qui te posent des questions, mais Nzambazab, tu as abandonné la foi. Donc, au cours de la personne, tu as l'oukata banganga, l'oukata bamaraba maïsien. Je vais te dire une chose, que attention, Dieu est près de toi. Le royaume de cet attend est juste à temps. Et ces problèmes que tu as là, Dieu peut donner la solution. Et tu peux être récompensé et restauré, réparé par l'Éternel, par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là dans une série de prières. Nous commençons notre programme de prière à partir de demain dimanche. Nous serons là à pleine prière, à l'intercession des jeunes et prières. Profitez de l'occasion de nous appeler pour te soutenir à la prière, de faire entrer des sujets de prière, de soutenir à la prière. En fait, que nous avons là, à Bétoupé Boulamou, nous avons fait Boulamou. Nous avons fait Boulamou, 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 au nom de Jésus. Crois cela au nom de Jésus Christ et cela vous sera arrivé. Vraiment, nous sommes vers la fin de notre mission. Que Dieu bénisse tout le monde qui est en train de nous suivre. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, amen. Voilà notre numéro est là, sur le bas de l'écran. Et si vous suivez à partir des radios, c'est plus de 143 81 522 71 45. Vraiment, je bénis tous les enfants de Dieu qui attendent de nous suivre ici. Et partout dans le monde que vous êtes en train de nous suivre, vous êtes tellement nombreux. Et que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci l'homme de Dieu. Merci papa Jérémy. À tous et à toutes. Excellent week-end, honneur de cœur avec vous. Que Dieu nous bénisse. Keke, mon âme de Paris, Yalou Zombala de Madrid. Merci encore une fois à mon vieux Justin Panzou, le grand Moyombe à Londres. Je n'oublierai jamais Sema Mayasi, femme légitime, agency Mayasi, Forza Italia. Les célèbres Dienzoun de Washington, Bandekotu à Paris, les Moutoufou Mouzingi, Jean-Claude Chef Coutumier, Serge Lokoki. Les mannequins à Paris, merci. Que Dieu nous fasse du bien. L'homme de Dieu, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, bye.